Ok, salut à tous et bienvenue dans l'épisode 3. Et vous entendez ces bruits délicats du troupeau. Du coup, ouais, je me suis baladé un peu sur la carte, je les avais perdus évidemment. Évidemment, je les avais perdus depuis la dernière fois. Et bah écoutez, visiblement je suis à côté. Donc c'est pas mal. Allez, on va manger un peu. Je suis à combien? 71%. La strat, hein, toujours jouer avec la stratégie. Là, on va manger cette poule. Comme ça va nous permettre de rien faire spawn quand on est à côté du troupeau. Et comme ça, ils vont pas se douter qu'il y a un carni à côté d'eux. Tout simplement. C'est parti de la strat. Avec un peu de chance, on va être rejoint par un autre T-Rex. Mâle, peut-être. Femelle, peut-être aussi, je sais pas. J'espère full adulte. Je ne sais, j'ai pas encore les infos. En tout cas, le troupeau est par là. Donc, on va y aller. On va go au troupeau. Ok, il y a full truc autour de nous. Ouais, ils sont en haut de la montagne. Et du coup, il y a T-Rex sur notre gauche. J'ai l'impression. Ouais. Du coup, il y a full merde autour de nous. Il y a des T-Rex à gauche. Il y a le troupeau qui est vers là-bas normalement. Oh, je les vois. Qui, le troupeau? Je sais pas si c'est le troupeau, mais je vois un petit truc passer dans la forêt là-bas. Ok. Hein. T'es tellement pas discret. De gros trucs noirs au milieu de la plaine. Ouais, mais je la. Ah si, je vois. C'est un T-Rex, je crois ça. C'est un T-Rex. Non, j'en sais rien, attends. Le T-Rex, il y avait des cris qui venaient de la Ouais, gauche, c'est mais. deux Rex, non, 2 Go. 2 Go qui sont là. Ils sont en face de moi. Je crois Ok. qu'ils m'ont repéré. Si t'es repéré, ils vont faire demi-tour direct, je pense. Non, putain, mais y'a trop quoi. T'es en Faut train faire gaffe d'arriver parce qu'il y en par avait derrière. derrière aussi, hein. T'es en train d'arriver par derrière. Ok. Moi, je pense qu'ils m'ont pas repéré. Hein. Par contre, je les vois pas. Hein. Alors, il y en a un qui regarde vers là où tu montes, mais t'as encore du temps. Ils sont en train de se replier, je crois. Ah non. Moi j'ai envie de voir le troupeau en fait, je veux pas affronter des gigas ni des rex. Ouais. Je veux affronter des herbies, bordel. J'espère qu'ils se sont pas mis en tête de venir me chasser, Eric. Ah, ça ferait chier quoi. Et tu les as perdus de vue là? Ah Ouais, je... Ok, j'en vois un. Ouais, c'est un T-Rex hein. C'est pas un giga hein. c'est 2 Rex. Aïe aïe aïe. Du coup ils sont vraiment à côté de moi, ça... Enfin j'en ai vu un quoi. Ouais. Vas-y, reste tranquille le Rex. Et le J'ai un troupeau il est peu où peur là? que le deuxième soit en train de me rabattre vers son pote, ça se trouve. Je sais pas, il avait l'air... Enfin il avait pas l'air à... Il buvait quoi. Il avait l'air Ouais. serein. Ok, j'entends le troupeau. Ouais, moi aussi, ils sont vraiment pas loin là. Voilà. Puis en plus ils sont énervés, donc les Rex doivent les camper, j'imagine. Ah ouais, en fait, ils sont juste au-dessus de nous, là. Ouais. Les herbies. Infiltration games, guys! Ah, faut surtout pas que je me fasse voir, quoi. Le problème, c'est que s'ils sont en train de se faire embrouiller par des Rex, Ah bon. Ça serait chaud qu'ils aient 4 Rex sur les côtes, quoi. Ouais. Bon, c'est très long de se balader comme ça, mais au moins c'est discret, vous comprenez l'idée, quoi. En fait, ça serait bien que les T-Rex attaquent, qu'ils se fassent démonter, qu'ils partent, et qu'on récupère les miettes. En fait, je les entends, mais j'arrive pas à les trouver, quoi. Ouais, moi c'est pareil. Il se cache bien. Là, je vois... Un maillage, je crois. Je vois un chant et un trike vraiment tout proche de moi. Ils m'ont pas vu. Faudrait essayer de choper le Maya.
Ouais, mais il est trop loin le maillage, je pourrais pas l'attaquer de là où Ouais. je suis. Faut que je vais attendre ici en fait, tout simplement. Hein. Je vais attendre ici et je crois qu'il y a une petite descente, je risque de me casser la patte en l'enfonçant dessus donc. C'est quoi qui a fait ce bruit comme herbivore là? C'était un Maya ça. Par contre, faut faire Ouais. gaffe, toi, genre les Rex, je sais pas où ils sont. Je pense qu'ils sont entre toi et moi. Hein. Ah non. Ok, il y a deux Mayas. Je vois un chant. Ah, Ouais. le troupeau, il est juste devant moi. Et en fait, ça serait cool qu'ils se rabattent sur moi, quoi. T'es où toi? Ok. Ils vont griller là, non? Putain, non, ils ne grillent pas. Oh, il y a le Maya qui boit et tout. J'ai l'impression qu'ils vont pas Je suis loin griller de là ou encore. pas? Moi, je suis juste à côté d'eux. Hein. Si je bouge, je pense qu'ils vont me voir. Le truc, c'est qu'en fait, je suis caché, mais je vois moi, je vois rien en fait. Ils sont toujours vers toi, le troupeau là? Non, il est parti sur ma gauche. En fait, je les aperçois, après ils disparaissent pendant un quart d'heure. Ok, je les vois, ils sont juste devant moi. Ils sont suivis par les Rex. Ouais. On pas capté. Hein. Ok, je les vois. Oh, merde, je crois que je vais me faire capter là. Non, ils regardaient pas dans ma direction, yes. Bon, là, c'est les Rex que j'ai perdu, je sais pas où ils sont. Ok. Ah, y a un track qui a la patte pétée. Ah, y a un Triceratops qui a la patte pétée là. Pas mal ça. Mais bon, il est entouré d'un autre Triceratops et d'un Chant. Bon, ils m'ont pas vu là le troupeau, je suis vraiment pas loin d'eux. Mais le truc c'est qu'ils sont. Ils se font agresser par les Rex là. Faut les suivre discretos. C'est stylé quand même. En fait, voir un T-Rex comme ça, c'est vraiment stylé. Te montre pas. Ah, il me voit pas là. Je reste là. J'ai une super bonne vision sur eux. Ça serait tellement bien qu'il y en ait un qui vienne vers moi là. Ouais, moi la même. Là, il y a un Maya qui vient vers moi. Vas-y, vas-y, fais cette erreur. Après, si c'est le chant, bon, pas ouf. Ouais. Je vais tomber nez à nez avec le chant, ça va. J'ai touché le Maya, mais putain, y a ce chant de mort qui est arrivé là. Il a la patte cassée du coup, le Maya? Le Maya, Ah ouais, ils sont tous en train de le défendre. ah ouais. Mais on lui Et le remet un chant, il coup, il m'a est mort. cramé Hein. du coup. Ouais, je sais pas, je crois pas. Je pense qu'il m'a regardé, il a regardé dans ma direction. C'est lequel de Maya? C'est celui qui est couché, il y a un blanc là. Ah putain, il y a 2 gigas. Il y Il y a a 3 2 Go gigas. de. Oh mon dieu. Il y a 3 Go là? Ouais. 2 Rex? Il y a 3 Go et 4 Rex sur le code du troupeau.
les giga et chasseur X. Il y en a un qui est pas loin de moi, ça se trouve, il m'a vu. Il y a un giga qui a des plaies ouvertes, je crois, non? Ah, je sais pas, j'arrive pas là, les. Le troupeau, il met trop impression là. Il y a trop de monde pour du troupeau, il doit rager. J'avoue, il doit péter un câble là. C'est inatteignable quoi. Le Maya il lui suffit juste d'un autre croc, hein, c'est tout. Hein. Ouais, mais elle a pas vu tout ce qu'il y a à passer avant de lui mettre le croc. Ouais. C'est toi qui as crié? Ouais, là c'est moi. Le chant il me fait trop peur quoi. Bah ouais. Autant les trikes ça va, mais le chant il me fait peur parce qu'il m'a rattrapé quoi. J'étais en train de courir et il courait plus vite que moi quoi. En plus il peut te mettre un stomp dans la tête, t'es one shot ouais. Quoi. Ouais. Les gigas je les ai plus en vision, j'espère ils vont pas passer par derrière. En tout cas ils sont en train de contourner le troupeau de ton côté. Ouais, il y en a un qui est sur moi. Là. Un giga? Ouais. Là, c'est chaud quoi. Mais pourquoi ils se rabattent sur nous alors qu'ils étaient sur d'autres axes là? Parce que t'es tout seul. Enfin, ils pensent que t'es tout seul. Ouais, bah je peux me rapprocher de toi et ça va leur faire peur. Mais te montre pas. 89. Hein. 89% 800 bit force, 4,5 tonnes. Ah, ça risque de chauffer vénère. Hein. Il est où là le giga? Il est juste derrière moi. Ouais. Ils t'ont pas vu là. Tu veux que je le croque s'il passe trop près? Bah, peut-être qu'ils t'ont vu, ils font demi-tour. Hein. Ouais. Ouais, il y a les gigas qui s'attaquent aux chantes, je crois. Ah non, c'est un accro. C'est un accro? Il y a un accro qui s'attaque au Rex. Ou alors c'est des gigas? Non, 3 gigas qui s'attaquent. Non, c'est des Rex, Rex contre giga. Ah la gueule. Bon allez, je me montre. Oh mon dieu, c'est quel bordel, sérieux. Allez, 3 gigas, ils ont gagné encore. Aïe aïe aïe. En vrai, on peut contester la carcasse des gigas, du coup, vu qu'ils sont mal les gigas. Vas-y, ouais, vas-y. Oh, ils sont tellement dans le dur. Bon bah on va devenir cannibale du coup. Ouais. Et y a un Maya qui a eu de la chance dans l'histoire là. Ouais. Putain. Ah, je suis déjà un peu plus gros hein. Ouais. Par contre en vrai si les gigas ils se soignent et qui s'énerve contre nous, on est dans la merde. Ça risque d'être chaud, ouais. Après, faut qu'il se soigne hein, déjà. Ouais, mais bon, c'est pas si long que ça, non? Ah, le troupeau, il en a posté pour des guerres pires, là. Ah ouais. Le troupeau s'est barré complet. Le Rex restant, il s'est barré aussi. Ouais. En vrai, si on finit la carcasse, on a le droit de les attaquer, je crois, non? En vrai, là, je sais pas trop. Là, je sais pas trop. Et en gros, si on les attaque, faut focus suite gauche. Hein. Ouais, là, celui qui est en sang, là. Oh, il y a d'autres gigas qui arrivent. Où? En haut à gauche.
Ah mon dieu, mais quel bordel ce serveur, c'est incroyable. Ah, y'en a un qui est dans la tellement dans la merde. Et il a la patte cassée. Ah, ils vont affronter ceux qui sont blessés. Ah ouais, bah ouais, logique. Ah, ils sont baisés, on les a niqués de leur carcasse, du coup ils ont plus de protection. Ouais. Ah mon dieu. Eh, franchement, 3 gigas c'est quand même vénère en vrai. Ouais, mais c'est stylé. Ouais. Vas-y, mais attaquez-les, qu'est-ce que vous faites? Non, en vrai, si on finit la carcasse... Ah non, c'est vrai, je suis pas adulte. Ah ouais, si on finit la carcasse, on est dans la merde. Hein. Je fais 4,5 tonnes, 6 tonnes, pour 854 débits de force. Ouais. Là, faut plus manger dans la carcasse. Hein. Ouais. Faut attendre d'être full affamé. On s'en fout en fait, genre y a des IA qui pop partout donc on risque pas de mourir de faim. Mm. Parce que là je crois que les 3 gigas ils veulent se faire du Rex hein, finalement. De quoi? Ils veulent faire un Rex. Regarde ça. On leur laisse. Ah bah bien sûr qu'on leur laisse. Allez-y, y'a plus rien à bouffer. Hein. Par contre, ouais, faut se barrer loin, vite fait. Ah ouais, fait, faut là, se casser que... tellement loin. Go disparaître dans la forêt. Ils vont la finir en 2 secondes. Hein. Ouais. Vivement que tu sois full adulte, hein. Ouais. Il y a des gros trucs là-bas encore. Où? Près des rochers, du coup. De l'autre côté, là. À l'opposé de nous en fait. Je sais pas ce que c'est. Hein. Enfin, c'était gros quoi. Et je pense que c'est y pas. Y'a rien au c'est... bord du lac. C'est pas de l'herbie. Hein. Ah ouais, je vois. Je crois que c'est des gigas. Hein. Oh, ça se bouffe les gigas, c'est bon. Faudrait que je contourne de l'autre côté là en fait. Je vais tenter un coup de bigot, je vais passer par la gauche. Il est collé aux 3 rochers. Ah ouais, je le vois. Ok, là il peut pas me voir. Je sais pas, je crois qu'il t'a vu, il aura dans ta direction. Oui, je pense qu'il m'a vu. Il y en a un deuxième. Voilà. Il est où le deuxième? Il s'est mis un crouch, il est juste derrière là. Ah ouais, j'ai vu sa queue. Ils sont tous les deux en crouch. C'est un 2 Rex contre 2 Rex, ça va être chaud. Et là, ils viennent tous les deux vers moi. Ok, essaie de venir vers moi, ils m'ont pas vu. Tu vois Osher? Ils viennent sur toi, hein. Ils sont en crouch derrière toi. Ok, ils marchent là, ils sont plus en crouch. Il y en a un qui est plus en crouch en tout cas. Mec, ils viennent vers moi, là, ils sont tout proches. Viens vers moi. Il me fait un cri gentil. Il te fait un cri gentil? Ouais. Bon. Bah, pourquoi il te court après, du coup? Ça, c'est pas un cri gentil, ça. Viens vers moi, il est vraiment proche de moi. Hein. Faut que tu viennes vers moi, là. Bah, je suis un peu cramé là, non? J'ai fait un petit coup de sprint parce que j'étais trop proche. Ouais, t'as raison. Ils sont full focus sur toi, et moi, je sais pas s'ils m'ont vu. Je vais éclater le marron. Hein. Vas-y. Ok, je l'ai croqué, j'ai cassé la patte. J'ai la patte cassée. Oh, c'est le bordel. J'en ai tué un. Yes. Oh, ah, tu es mort aussi. Oh, il putain. Ton corps, il vole dans tous les sens.
Ah putain. Putain, il m'a tué l'enfoiré. Ah bah il a croqué en même temps. Ah son pote, il est mort quand même bien avant que... Bien avant qu'il me croque. Quoi. Moi j'ai arrêté de croquer direct. C'est toujours ça de toute façon les combats d'Apex, genre tu meurs, tu tues et juste après tu meurs quoi. Bon bah Ilum a trépassé, Ilum va reprog. Aïe aïe aïe, c'est tellement chiant quoi. Tout ça pour putain, ça me saoule. En fait ouais le truc c'est que dans le combat genre t'as chargé et au moment où t'as chargé t'es fait la péter la patte direct, du coup tu pouvais plus partir. Bah en fait j'ai chargé, j'ai pété la patte du gris, sauf que du coup il y avait le marron qui t'avait pété la patte qui était tourné vers moi, du coup il m'a pété la patte. Du coup après ouais fallait que je reste dans le combat quoi. Mais du coup j'ai croqué aussi le gris et le marron en même temps. Mais du coup en fait quand toi t'es revenu à la charge, en fait c'était plus le marron qu'il fallait focus mais c'était le gris parce que je l'avais enchaîné depuis le début. Ouais. Ok, les Utahs qui veulent me contest. En vrai, je pense que tu peux les déboîter, je sais pas si t'as pris cher. Non, j'ai pas trop pris cher, non. Ouais, vas-y, déboîte-les, en plus tu tournes plus vite avec la patte cassée. Le truc, c'est que l'autre Rex est devenu mon pote, là. Il va sur les Ah Utahs ouais? aussi. Ouais. C'est n'importe quoi. Ok les Utahs. C'est chaud quand même, il te colle au cul les Utahs, c'est trop chaud quoi. Ouais, ah il s'est en train de t'attaquer. Il s'est barré l'autre axe, c'est abusé ça. Ah, merde. Abandonné. Bah si t'es vraiment dans le pétrin, tu peux toujours abandonner la carcasse. Hein. Ah j'ai fait un cri agressif. J'ai accepté le combat. Ah ouais, du coup ça jusqu'à la mort. Ouais, jusqu'à la mort. Il y en a combien sur toi? Il y en a deux, j'en ai deux, trois je crois. Genre, mais je l'ai mordu. C'est abusé quoi. C'est abusé, j'avais la bouche sur lui, je l'ai mordu, ça a rien fait. Ah, ça me saoule. Au pire, je te jure. Tu peux me gros et je les bute. Hein. Je te jure, ça me saoule ce jeu quoi. Putain, j'avais la bouche sur lui. Il est vraiment éclaté le jeu quand même, c'est dingue. Hein. Du coup, j'ai full bleed quoi. Et encore la bouche sur lui, je le tue pas quoi. Je suis full dans la merde là. Je suis tellement dans le mal. Je te jure, c'est de l'abus, mais c'est de l'abus. Les mecs, ils ont pas de hitbox. Le mec, il est passé sous ma mâchoire, il est pas mort. Ouais. Ah, mais c'est trop de l'abus là en fait. Je suis plus très loin, même si je peux rien faire. Ouais. Il y a des petits lots aussi. Ouais, c'est le bordel là. Il faut aussi, c'est vrai que ceci de devoir attaquer là. Ouais, j'avoue, c'est de l'abus, tout est de l'abus. Il y a l'autre Rex qui revient là, il s'était barré, il revient maintenant. Ah, il a du régen. Ouais, il est bien éclaté quand même. Hein. Vas-y, aide-moi le Rex. Tu vois pas, je suis en PLS. Mais non, mais viens.
Vas-y, aide-moi, gros. 4 forces majeures là. C'est toi qui viens de crier? Non, c'est lui. Il se met un crouch à côté de moi, j'ai l'impression qu'il veut m'aider. Bah, tiens, un nouveau papa, je crois, l'homme. Elle a D5 était terrible quoi, genre. Allez, tu vas bien en tuer un ou moins? Non non mais ils se sont barrés là, vu qu'ils ont vu l'autre Rex revenir, ils se sont barrés. Ouais. Ah bah c'est cool. Bon bah je pense qu'on va finir l'épisode sur cette PLS, mais ça va, la situation stabilisée. Prochain épisode, on va choper ce troupeau. Promis. Soit j'y arrive, soit je meurs dedans. Mais il faut que j'en emporte un avec moi. Je suis un Rex. Bon, et sinon j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss !